peine 10 minutes. Ils sont tous sur les nerfs, tu te dépêches un peu. Je vais essayer. Merci. Ah, tu es là, toi. Monsieur Calbert te cherche partout. Moi? Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Il a l'air paniqué. Lui, paniqué? Bon, alors c'est moi. C'est forcément moi. Danny, j'ai un problème. Je dois faire un saut demain à Genève avec le projet Milkaby. On avait encore une semaine. Ben oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont pressés tout d'un coup. Hier soir, j'ai relu le rapport qu'on avait fait, mais il était loin d'être au point. J'ai travaillé dessus la nuit dernière, ce matin encore, et il faudrait... Non. Et il faudrait le retaper, c'est ça? Oui. Mon avion ne part d'Orly qu'à 1 heure, ça vous laisse la soirée, et même la matinée. C'est beaucoup demander une veille de 14 juillet, mais si vous n'aviez rien de prévu, enfin, rien d'urgent, vous pourriez venir travailler à la maison. Que je vienne travailler chez vous? Oui, il n'y a que des bureaux dans l'immeuble. Alors avec le pont, tout ici sera fermé jusqu'à mercredi. Oui, je sais. Je suis sûr qu'Anita sera ravie de vous voir. Vous êtes un peu perdu de vue. Oui, un peu perdu de vue. Alors? Bon. Si vous n'avez plus rien d'important à faire, je crois que... Ah si, touchez ma paye. Oh, je vais y aller pour vous. Ça me permettra d'y ajouter un petit quelque chose. Je vous retrouve en bas dans 5 minutes. D'accord. Oh, j'espère que votre boyfriend comprendra. Ce n'est pas ça qui doit vous tourmenter. Pas même de flirt? Je compte au nombre de ces phénomènes dont l'espèce est en voie de disparition. 5 minutes. Fatigué? Le monde est fatigué. On passe chez vous prendre vos affaires? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Tresk et Voltaire. Vous étiez très amis, Anita et vous. Nous avons débuté dans la même agence, habité le même appartement jusqu'au jour où Anita est devenue ma femme et vous, mon employé. Et oui, comme on dit, Danny, c'est la vie. Non, comme on dit, Monsieur Calbert, c'est un fait. Malheureusement, Anita et moi sommes invités à un gala de charité. Je suis navré. Ça vous amuse? Non, c'est juste une... Je... Mais non, non, rien. J'en ai pour 1 minute. Danny, j'aimerais téléphoner à Anita, si vous permettez. Oui, bien sûr. Le téléphone est là, à côté du lit. Merci. Oh, j'ai le temps de me changer. Bien entendu. Vous voulez un scotch? Non, non, merci. Oui, je l'ai prévenu que nous devions sortir. Écoute, c'est très important, ça doit être retapé, je l'emporte demain. D'accord. Oui, c'est fait. Oui. Au revoir. Elle a demandé de vos nouvelles. J'ai entendu. Cette photo, c'est... Mon père. Il est pasteur? Il était. Il est mort. Je suis désolé. Pourquoi désolé? Vous ne le connaissiez pas. L'influence de mon père m'a beaucoup marqué. Côté religion? Non, non. Côté myopie.
Vous avez une bien jolie maison. Merci. Votre petite fille doit avoir 3 ans, ma fille. Michel? Oui, elle a 3 ans. Vous verrez, elle est adorable. Excusez-moi. Oh, c'est par ici. Michel, cette demoiselle s'appelle Dani. Elle est venue aider ton papa qui avait beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu en penses? Dis bonjour. Bonjour, Michel. Et maintenant, va vite dire à maman que nous sommes là. Allez, hop. Oh, c'est bête, j'ai oublié l'éléphant. Bon, on va s'y mettre, si vous voulez. Je suis navré, mais comme je vous l'ai dit, on est pris par le temps. J'aurais préféré 6 exemplaires, mais tant pis, 4 suffiront. Si vous voulez jeter un coup d'œil avant que je ne m'en aille, j'arriverai peut-être à retrouver ce que j'ai écrit. Je connais votre écriture par cœur depuis le temps. Bon. Alors, bon courage, Dani. Merci. À demain matin. Les domestiques ont pris leur week-end. Michel a raison. Tu n'as pas changé du tout. Bonsoir, Anita. J'ai voulu plusieurs fois te téléphoner, mais tu sais ce que c'est. On n'a jamais le temps de faire ce qu'on veut. Est-ce que Michel t'a montré ta chambre? Il lui arrive d'y dormir quand il travaille tard. Salle de bain. Choqué? J'en ai vu d'autres. C'est de Michel. Il a installé un petit labo en haut. Tu auras assez de place, j'espère. J'aurais même peur de me perdre. Mais si je me rappelle, toi, tu as toujours eu besoin d'espace dans un lit. Je suis navrée d'avoir à sortir. Franchement, j'en ai aucune envie. Tu es restée fidèle au blanc, je vois. Toujours ton côté jeune fille. Ça te va comme un gant, d'ailleurs. Eh bien, il vaut mieux que je te laisse. On se voit demain matin? Moi, je suis sentimentale. Je t'avais dit qu'elle était dégueulasse. D'accord. De toute façon, t'as mon téléphone. Oui. Alors, tu nous appelles quand tu veux nous voir. D'accord. Allez, ciao. Ciao. À bientôt. Salut. Pour tout le monde, je te signale que j'ai passé la soirée avec toi au cinéma.
tu ne t'es pas ennuyée ce soir? Ne craignez rien, sœur Danielle. J'ai tourné la photo de papa contre le mur. Tu es malade. Oh non, hein, recommence pas avec tes sermons, tes airs de sainte, ni tout, ça prend pas. Regarde comment tu laisses mon lit. Tu sais que ça, la prochaine fois, on se mettra sur la table. Chacun ses distractions, hein, les tiennes, je te les laisse. Tiens. Ça y est, j'ai terminé. Bien. Ne vous fatiguez pas à les classer. Je voudrais vous demander, ça m'ennuie de laisser la voiture tout le week-end à Orly. Vous pourriez la ramener à la maison? Bien sûr. Ah, avant que j'oublie votre fiche de paye, avec ce que je vous ai promis. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est que je n'ai jamais conduit de voiture américaine. C'est pourtant simple, ça se conduit tout seul. Il y a l'accélérateur et le frein, c'est tout. Et où faudra-t-il la laisser? Au garage. Tu qu'on part où en train? Qu'est-ce que je ferai des clés? Vous me les rendrez mercredi. Elle est énorme. Je t'appelle dès que je rentre, hein. Au revoir. Tiens, prends Michel. Porteur. Voilà, voilà. C'est ouvert. Il y a trois valises. Bien, madame. Merci encore, Danny. Merci. Ah, comment on remonte la capote? Anita, la capote. Le bouton du milieu. Du milieu? Au milieu de quoi? Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Avancez, allez, allez. Allez, allez, dépêchez-vous. Excusez-moi, la voiture américaine, c'est pas mon fort. Allez, allez, vous bloquez tout le monde. Avancez, avancez. Allez. Un coup de vent du nord et la vie m'envole comme feuille morte. Un feu rouge tourne au vert et la vie m'enflamme, le diable m'emporte. Chacun suit sa route, suit sa route ou son chemin. Moi je ne suis que pierre et je roule. Pour un lever de lune, un coup de soleil, je vois son lunette. Une ligne jaune, un horizon bleu, je fonce pied en tête. S'il vous plaît, pour Paris. Passez ici, ma cocotte. Par là. Par là. Faites demi-tour et de l'autre côté. Merci. Moi, je ne suis que pierre et je roule. Où allez-vous? C'est interdit de faire demi-tour. Continuez, allez, allez, continuez, vous sortirez plus loin. C'est interdit de tourner là? Allez, circulez, vous voyez bien que c'est interdit. Vous gênez la circulation, vous sortirez plus loin. Allons, allons, allez-y, mademoiselle. Allez-y, je vous dis. Bien, monsieur. Chaque croisement est comme un port. On peut jeter l'ancre ou sombrer. Chaque virage peut vous cacher. Aussi mal l'amour que la mort. Un coup de vent du sud et la vie m'emporte comme feuille morte. Un feu vert tourne au rouge, le diable m'appelle et l'enfer m'emporte. Chacun suit sa route, suis sa route ou son destin. Mais je ne suis que pierre et je roule. La nourriture ici est excellente. Oui. Excusez-moi, mais j'ai remarqué que vous aviez une Ford décapotable. Vous êtes très observateur. Vous en êtes satisfaite? Il n'y a pas très longtemps que je la conduis. Ma femme dit qu'elle est sûre de vous avoir vu quelque part. Oh, vous êtes actrice, n'est-ce pas? Moi, actrice? Oui, nous avons vu un film la semaine dernière. Où était-ce, Fred? Je disais à mon mari, je suis sûre que c'est elle qui joue la fille. Oui, elle est sûre que vous faites la télévision.
Non, de la publicité. Oh, de la publicité. Ça doit être intéressant aussi. Vous descendez dans le Midi? Oui, dans le Midi, sur la côte. Je descends sur la côte. Si jamais vous venez en Amérique, venez nous rendre visite. Nous habitons Ashbury Park. Et je vais vous donner notre adresse. C'est très aimable à vous. Merci, madame. Merci. Au revoir. Un coup de vent du sud et la vie m'emporte comme un feuille morte. Un feu vert tourne au rouge, le diable m'appelle et l'enfer m'emporte. Chacun suit sa route ou son destin. Mais je ne suis que Pierre et je roule, oui je roule, oh, oh je roule. Merci beaucoup. Combien je dois? C'est déjà réglé, mademoiselle. Réglé? Mais par qui? Par Jean, là. D'abord, vous cherchez à me faire avoir un accident, et après ça, vous payez mon café. Vous trouvez ça drôle? Vous avez failli me tuer. Vous y arriverez bien sans moi. Vous êtes tous les mêmes. À fond sur le champignon, la route est à vous, et un jour... Il faudrait partir. On a tout le temps. Allez, asseyez-vous. Et prenez un verre. Non, merci. Je m'appelle Jean Guivin et Baptistin, mon équipier. Il est gentil, mais un peu timide. Bonjour. Vous allez sur la Côte d'Azur? Oui. Où ça, au juste? J'ai pas encore décidé. Ah, mademoiselle s'en va comme ça à l'aventure, hein? Tenez, un porte-bonheur. Merci. Peut-être qu'on se retrouvera? Ouais, il y a un bout de chemin jusqu'à la côte. On se retrouvera. Mademoiselle! Mademoiselle! Votre manteau, je l'ai mis de côté. Vous l'avez oublié ce matin. Attendez! Paulette! Mais je n'étais pas ici ce matin. Mais si, voyons, je vous ai servi un café. Non, vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Vous ne vous souvenez pas, votre feu arrière ne marchait pas et je vous ai envoyé à la station Shell. Laissez-moi partir, c'est ridicule. Mais enfin, votre voiture, demandez à la station Shell, la dernière avant l'autoroute! Excusez-moi, où sont les toilettes? Là. Merci. Vous me faites le plein, s'il vous plaît. Combien de temps encore? Quelques minutes.
pas. C'était les bougies. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah! Oh, ma main! Où sont mes lunettes? Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien. Quelqu'un est entré, m'a attaqué. Ah, parce que... Poussions un peu de rafale. Mon sac, vous l'avez? Oui, oui, je l'ai. Simone! Simone! Un verre d'eau, vite! Oui. Pourquoi on vous aura attaqué? J'en sais rien. Pas de réplique. Merci. Quelqu'un est entré derrière moi. Si quelqu'un était passé, on l'aurait vu. Elle ne croit tout de même pas que c'est nous, non? Je n'ai pas dit ça. Monsieur Mosquée. Il était gavé. C'était sûrement un voleur. Il n'a pas touché à mon sac, il s'est jeté sur moi, il a essayé de me casser la main. Sa main? Sa main était déjà bandée quand elle est passée ce matin. Ah, ça, j'en suis sûr. Mais je n'étais pas ici ce matin, j'étais à Paris. Il y a à peine 2 semaines que j'ai pris la station. Pourquoi toutes ces salades? Vous cherchez à me faire avoir des ennuis? Mais non, pas du tout, je vous assure. Elle remontait sur Paris, j'avais pas encore ouvert. C'est la police qui l'avait envoyée ici. Son feu arrière ne marchait pas. Elle a même réveillé la gosse. Enfin, dis-leur comment elle a réveillé l'enfant. Bah oui. Vous avez dû perdre connaissance. Je n'ai pas perdu connaissance, je ne mens pas et je ne suis jamais passée par ici. J'ai regardé l'huile, il en manquait presque un bidon. Varaski. Si on va, il m'en reste merde. Tenez, regardez ça. Vous êtes chez moi. Je suis pas fou, hein? Il faudrait peut-être appeler un docteur. Oui. Il n'y a pas de fracture. Forte contusion. J'ai fait une piqûre qui va vous calmer. Mais quand cela m'est-il arrivé? Je présume que vous m'avez fait appeler tout de suite, non? Il dit que j'avais la main déjà bandée quand je suis passée ici ce matin. Je vous l'ai dit, docteur. Ma femme peut vous le confirmer. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à le demander à ma femme. C'est bien possible. C'est à vous de savoir, c'est non? C'est vous, docteur. C'est à vous de savoir. Vous avez pu perdre connaissance, tomber sur votre main et la souffrance s'est réveillée. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et maintenant, où allez-vous? Vous ne savez pas quand vous vous êtes blessé et vous ne savez pas non plus où vous allez? Mais si, je le sais. Alors, dites-le. Sur la côte, je vais sur la côte. Si vous croyez vraiment avoir été attaqué, mieux vaudrait avertir la police. Enfin, faites refaire votre bandage dès que vous arriverez. Merci. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Vous allez conduire dans cet état? Pourquoi pas? Votre main? C'est loin le midi. Je conduisais bien ce matin, n'est-ce pas? Et ma main était déjà comme ça, n'est-ce pas? Alors il n'y a absolument rien de changé. Vous êtes actuellement dans un état dépressif, ce qui n'a rien d'étonnant dans un cas comme le vôtre. Et votre mémoire vous joue des tours. Elle rejette les choses déplaisantes et arrive même à effacer complètement certains souvenirs. Nous pourrions bien sûr essayer de se réfugier dans la solitude. Ça ne nous aide ni vous ni nous. Rangez-vous à droite. Alors, mademoiselle Lang, toujours au volant, hein? Je vois que vous avez fait réparer vos feux arrière. Tu vois, c'est elle, je l'avais bien reconnue. Où les avez-vous fait réparer? À Paris? Hé, hey, je vous parle. Hein? Où est-ce que vous avez fait réparer vos feux? À Paris? Non. Où ça, alors?
Je ne sais plus. À Vallon. Mais vous m'avez dit ce matin que vous alliez à Paris. Oui. Vous n'avez pas l'air sûr. Si, je suis sûr. Chose qui va pas? Veuillez enlever vos lunettes. Vos lunettes. Je suis myope, excusez-moi. Alors vous n'avez pas lâché le volant de la journée, Avignon, Paris et de Paris à ici. Ce n'est pas très malin. Surtout avec une main blessée. Et maintenant, où allez-vous? Alors, hein, je vous ai demandé où vous alliez. Sur la côte. Mais où? Monte Carlo, Cannes. Sans vous arrêter? Si, je vais m'arrêter un peu plus loin. À Châlons. Oui. Ah oui, à l'Excelsior. Comment? Vous m'avez bien dit ce matin que vous avez passé la nuit dernière à l'Excelsior. Oui. Vous me semblez avoir des problèmes. Non, je suis seulement fatiguée, ça passera. Je peux faire quelque chose? Non, c'est la fatigue, vraiment. Arrêtez-vous à Châlons, ça ira mieux quand vous aurez dormi. Je téléphonerai à l'hôtel pour qu'on vous réserve une chambre. Un conducteur qui ne peut pas tenir ses yeux ouverts, c'est un danger public. C'est bon, allez-y. Merci, mademoiselle. Merci. Il y avait un hôtel ici qui s'appelle l'Excelsior. Il n'y a que le pont à traverser, c'est boulevard de la République. Combien êtes-vous? Oh, juste moi. Mais j'ai une chambre de l'autre côté de la rue, si vous voulez rester. Non, merci. Vous avez mis du temps. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous dois 20 francs. Je ne vous connais pas. C'est réciproque. Je m'étais dit, tu veux parier, mon vieux Philippe? Ou elle te dira, descendez de ma voiture, ou j'ai enfin trouvé l'homme de mes rêves. Ni l'un ni l'autre. J'ai perdu, je vous dois 20 francs. Descendez de ma voiture. Hein. N'est pas à vous. Descendez, je vous dis. Cette nana... Oh, pardon. Cette jeune dame, me suis-je dit, roule dans une voiture empruntée. À son père, peut-être? Son frère? Son Jules? Oui, plutôt à son Jules. Vous avez l'air indépendant. À façon de marcher. Indépendante. Fatiguée. Et plutôt inquiète. Pourquoi êtes-vous inquiète? Vaut mieux savoir à qui on a affaire. Pas cette fois. Hé, hey, vous m'emmenez pas chez les flics, non? J'ai pas de temps à perdre. Et vous aussi, vous m'avez déjà vu? Oh, bien sûr. Chaque fois que je rêve éveillé. Alors, voyons. Où va-t-on? Faut que je sois à Marseille demain. Enfin, demain ou après-demain. Je reste là ou je viens avec vous? Je peux dormir dans la voiture. J'espère que ce sera assez confortable pour vous. Sinon, je peux toujours dormir avec vous. Vous voulez un bon conseil? Moi? Vous confondez? C'est vous qui en avez besoin, pas moi.
J'en ai pour 2 minutes et vous serez parti quand je reviendrai. Mmh. Ah. Lang. Daniel Elisabeth. 26 ans. Nationalité française. Profession publicitaire. Venant d'Avignon. Résident à Paris. Comment venant d'Avignon? Montrez-moi ça. C'est pas mon écriture. Non, c'est le veilleur de nuit qui a rempli l'affiche. Et malheureusement, c'est son jour de congé. C'était sans doute à cause de votre main. Le motard que vous avez rencontré nous a téléphoné. Julien! Bah, ça, c'est pas à moi. Ah, bah, c'est monsieur qui m'a dit de la bonté, voilà. C'est à moi. Je croyais vous avoir dit en bas. Oui, vous me l'avez dit. Vous voyez ce vase? Ming, très beau spécimen. Vous tenez à le recevoir sur la tête. Si ça vous amuse, mais je ne pense pas que ça amusera la direction. On va le demander. Ça va? Je m'en vais. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Tout à l'heure, vous m'avez pas parlé de 20 francs. C'est toute ma fortune. Vous pouvez peut-être m'offrir un sandwich. D'abord, ce fameux manteau que j'aurais oublié. Ensuite, le poste d'essence, après ça, le motard. Mais où étiez-vous la nuit dernière? J'étais à Paris. Alors, c'est une erreur. Et ça? Vous êtes tombé dans les pommes. Non, c'est pas mon genre. Peu que quelqu'un soit entré pour piquer votre sac. Vous êtes débattu, il a paniqué, il a cogné. Bon, mais alors l'hôtel, pourquoi disent-ils que j'y ai couché la nuit dernière? Eh bien, c'est un complot. Vous êtes la pauvre victime d'un terrible complot. Chin. Mais au fond, peut-être que vous en faites partie de ce complot. Peut-être. L'important, ce n'est pas ce que l'on est. C'est ce que les gens pensent que vous êtes. Et ça vous embêterait que je sois mêlé à tout ça. N'est-ce pas? Voilà l'addition. J'ai un petit problème, là. De Marseille, je prendrai le bateau pour la Grèce. Et une fois en Grèce, je n'aurai qu'à marcher le long des plages jusqu'en Albanie. Albanie? Pourquoi l'Albanie? Comme ça, je trouve que c'est un joli nom, Albanie. Une chance, je suis à moitié albanais. Puis de là à la nage jusqu'à Cuba. Ah, excellente idée. Pas fameux, ce score. Très mauvais. Et j'ai, paraît-il, des chances d'y trouver un boulot intéressant, dans les jets. Vous y connaissez un peu en aviation? Non. Je suis très bon mécanicien. Je croyais qu'en Albanie, on n'employait que des Chinois. Oui, mais je suis à moitié albanais, à moitié chinois. Il y a 10 minutes, vous m'avez raconté que vous étiez né quelque part en Bretagne. Oui, c'est vrai, je suis né en Bretagne. Un bled nommé Ploumanac. Vous ne me croyez pas? Non. Dommage, je vous aurais fait visiter Ploumanac. Regardez, vous me devez au moins 3 millions. Mais n'ayez pas peur, je vous fais confiance. Vous aimez la bouillabaisse? Demain, on ira dans un petit restaurant de Marseille où on mange la plus sublime bouillabaisse de toute la côte. Et ensuite, on pourra aller se baigner en Camargue. De Marseille, c'est pas loin. Un coin qui s'appelle les Saintes-Maries de la Mer. Vous connaissez? Je ne suis jamais allée dans le midi. T'as vraiment besoin de ces trucs-là? Alors, j'ai l'air de quoi? D'un Picasso, d'un miroir brisé. Et maintenant? Masse-moi. Il faut le faire, Dani, pour toi, pour moi, pour nous tous. Non. Je t'en supplie, empêche-les.
Empêche-les, je te dis. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Non. Qu'est-ce qui te prend? C'est rien. Rien. Tu as appelé Philippe. C'est mon nom. Je suis tombée par hasard sur tes papiers. J'ai vu que tu t'appelais Yves-Marie. Yves-Marie? Antoine? Philippe? Je pensais que tu préférerais Philippe. Quand m'as-tu dit que tu devais être à Marseille? Je ne sais pas au juste. Quand on s'arrêtera, j'en profiterai pour passer un coup de fil. J'attendais un fil de bière pour le 17. Oui, d'accord, si tu veux te vendre. Ah, c'est ça. Trois fleurons et trois salades. C'est pas facile, mais je vais essayer. Deux truites et un tabelle pour le 4. Et voici, madame, votre addition. Merci. Alors? J'ai pas eu le gars. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait? Eh bien, pendant quelques jours, on va manger, boire et faire l'amour au soleil. Oh, allez, file, espèce de... Il y en a eu beaucoup d'autres? Beaucoup d'autres. Oui, combien? Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Combien? Un seul, les autres ne comptaient pas. Pourquoi vous n'êtes pas mariée? Parce que la bigamie est encore illégale. Mais il aurait pu quitter sa femme? Apparemment, non. Et tu l'as revue depuis? Oui. Oui, je l'ai revue. Tu veux que je te donne les dates? Le 29 décembre de l'année dernière, pour le prévenir que j'étais enceinte. Et le 3 mars de cette année, quand je lui ai dit que je m'étais fait avorter. Ça te suffit? Et toi, tu aurais voulu le garder, bien sûr. Ils ont tué mon enfant. Je vois. Tu étais enceinte de lui, mais il n'a quand même pas plaqué sa femme. Tu sais pourquoi? Parce que sa femme n'était pas une petite pute qu'on ramasse un soir à Chalon et qui se fait sauter 2 heures plus tard. Dis-le que je suis un salaud. Te gêne pas? Fous-moi une paire de claques. Non. Quand on a mal, on veut faire mal aux autres. C'est ce que je fais souvent, moi. Je vais chercher les cigarettes dans la voiture. Phil!
Et maintenant, sur votre droite, mesdames et messieurs, vous pouvez voir la Méditerranée. And now to your right, ladies and gentlemen, you can see the beautiful Mediterranean. Dans 20 minutes environ, nous ferons un bref arrêt, ainsi qu'il est prévu dans votre itinéraire. In 20 minutes, we'll be making a brief stopover as indicated in your itinerary. Ouais? Pardon, j'ai pas très bien compris. Je dis que nous avons déjeuné dans le jardin. Oui, bien sûr, c'était une voiture américaine, une Ford. Oui, une voiture décapotable blanche. Oui, je voudrais savoir où il a téléphoné, il a perdu le numéro. Et c'est très important. J'attends. Oui, et le numéro 926-022. Garage du Midi. Une grande Ford blanche décapotable. Une grosse voiture américaine, c'est pas ça qui manque ici. Mais personne n'est venu, personne n'a appelé, je comprends rien à votre histoire de Ford décapotable. Mais vous vendez des américaines d'occasion. Vous voyez bien ce qu'on vend. Et pour en vendre, vous devez en acheter. Ce qui veut dire? Rien, rien du tout. Alors, mademoiselle. Merci. Merci. Police, s'il vous plaît. Comment? Le commissariat. Ah, le commissariat de police? Oui. Là-bas, tout droit. Deuxième à droite. Merci. Oui, ok. Dis, tu me changes ton fusil contre le mien? J'ai pas de fusil. Si, dans ton coffre avec le bonhomme. Y a rien dans mon coffre. Mais oui, je l'ai vu tout à l'heure. Tu parles du monsieur qui conduisait? Non, le monsieur qui conduisait, il est parti. Parti, mais où? Dans quelle direction? Par là. Et tu as parlé avec lui? Oui, il avait même promis de jouer avec Et moi. Et puis après? Quand il a vu l'autre bonhomme dans la voiture, il m'a dit de foutre le camp. Il y avait un autre homme? Ils sont partis ensemble? Je te l'ai dit, il est derrière avec le fusil. Son copain l'a enfermé là où on met les bagages. Tu sais, je crois qu'il dort. Tu n'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Non. Et ta mère, où est-elle? Oh, elle bronze. Eh bien, tu ferais peut-être mieux d'aller la retrouver. Mais tu m'avais dit qu'on allait jouer ensemble. Oui, oui, demain je reviendrai. Demain et on jouera, ok? Va vite.
Cet homme qui a volé votre voiture, vous le connaissez? Non. D'ailleurs, cette voiture n'est pas à vous. Non. C'est vous qui l'avez volé, hein? Non, je ne l'ai pas volé. Et puis on vous a attaqué, pourquoi? Je ne sais pas. Alors pourquoi tous ces gens prétendent qu'ils vous ont vu la veille? Je ne sais pas. Bon, alors vous voulez me faire croire que vous avez perdu la mémoire? Non! Mademoiselle Lang, on vous demande au téléphone. Allô? Tu vas rester encore longtemps assise là? Tu m'entends? Oui. Si tu as l'intention d'aller voir les flics, tu ferais mieux d'oublier, compris? Philippe, où es-tu? Assez près pour t'empêcher de faire une connerie. Il faut que je te voie. Tais-toi, écoute. Prends la voiture et va à Marseille, à l'hôtel Bellerive. C'est sur le quai du port. Si tu connais pas, tu demanderas. J'ai retenu une chambre pour toi. Mais pourquoi tu ne viens pas ici? Tu as envie de me voir, oui? Oui. Alors fais ce que je te dis. Et n'essaie pas de me rouler. Tu as plus à perdre que moi. Philippe, écoute. Mademoiselle. Un instant. Merci. Je vous en prie. Allô? Tu n'as parlé à personne? Non. Philippe. Écoute, tu vas aller au garage de la tour, cours Étienne Dorve, de l'autre côté du port. Garde la voiture, prends l'ascenseur et fais attention de ne pas être suivi. Mais pourquoi au garage et pas ici? Et surtout, change de robe. Je comprends rien à ton histoire. Ne cherche pas. Garage de la tour, mets la voiture au parking et prends l'ascenseur. Philippe. Philippe, ne raccroche pas. Ne raccroche pas!
Où es-tu? Où as-tu mis la voiture? Au troisième, mais où es-tu? Qui est-ce? J'en ai aucune idée. C'est toi qui as fait ça? Mais non, bien sûr, c'est pas moi. Tu crois que c'est moi? J'en sais rien, mais... Tu n'en sais rien? Non, je... Tu n'as pas l'air d'être très sûr. Philippe, où es-tu, Philippe? Si tu crois que c'est moi, pourquoi es-tu venu? Parce que j'ai peur. Parce que je ne veux plus rester toute seule, j'ai peur. Philippe, s'il te plaît. Non, ça va, je suis là. Si c'est pas toi qui l'as tué, pourquoi tu n'es pas allé à la police? J'ai pas osé, parce... Parce que la voiture n'est pas vraiment à moi. Il était mort avant même que je t'ai rencontré. Mais il n'était pas là hier. Tu as bien vu le concierge mettre les valises d'accord, dans le coffre. D'accord, si on admet que ce n'est ni toi ni moi qui avons fait le coup, ça veut dire que quelqu'un d'autre veut nous mettre ça sur le dos. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être qu'il faudrait aller à la police. Attention! La police est exclue, t'entends? Exclue. Tu ne le connais pas, tu en es sûr? Non. Donc la seule personne qui soit au courant en dehors de nous, c'est le salaud qui l'a foutu là-dedans. Et au fond, comme il n'y a aucun lien entre nous et ce macabre, on va faire exactement la même chose, s'en débarrasser. Et ça, le plus vite possible. Tout de même pas... Pourquoi pas? À moins que tu m'aies menti. Non, j'ai pas menti. Je ne l'ai jamais vu, je te... D'accord. Va chercher la voiture, je t'attends dehors. Tu vas pas me laisser? Non, je vais pas te laisser. C'est à qui la voiture? À mon patron. Tu m'as pas dit que tu l'avais volée, hein? Je ne l'ai pas volée. J'avais simplement promis de la ramener chez lui, et puis... Tu as fait un sacré détour, toi. On va voir s'il a des papiers sur lui. Au moins, on saura qui c'est. Il y a deux initiales sur la crosse du fusil. MK. Ça te dit quelque chose? Non. Merde! Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal refermé, il y a un bout de tapis qui dépasse. Et vous là-bas! Papier, s'il vous plaît. C'est votre voiture? Non. Elle est à vous? Vous avez les papiers de la voiture? Ils sont dans la boîte à gants. Daniel Lang? Oui. Et les papiers sont au nom de la société RBC. RBC? C'est la maison où elle travaille. Vous voyez le panneau, là? Vous ne savez pas lire? Défense de stationner, ça veut dire quoi? On autorise une seule voiture à rester là, tout à l'heure il y en aura 10. Vous croyez qu'on n'a pas assez à faire comme ça? Pardon. À la prochaine fois, respectez le panneau. Ça va. Allez-y, roulez.
Allez. Probablement. Pour croire que ça ne les a pas frappés. Ne te retourne pas. Un peu plus loin, tu trouveras un petit chemin de traverse. Tu le prendras. Sur ta gauche. Attends un peu. Ralentis. Tourne à droite. Il doit y avoir un cimetière de voitures quelque part par là. Les lumières. Allez, viens. De voir si je peux trouver quelque chose dans ses poches. Moins ils auront d'indices pour l'identifier, mieux ça vaudra. Qu'est-ce que c'est? Un message téléphoné adressé à Maurice Cobb. Passager. Maurice Cobb, c'est le MK sur le fusil? Passager Air France, vol 469. Daté du 10 juillet. Ne m'abandonne pas. Si tu me quittes, je te suivrai jusqu'à Villeneuve. Je suis capable de tout dans l'état où je suis. Damné. Signé. Damné. Et tu dis ne l'avoir jamais vu. Hein? Non! Tu mens, salope! Tu sais quoi? Quand je pense que dans ma putain de vie, pour la première fois, j'ai failli éprouver quelque chose pour quelqu'un! Je voudrais avoir Paris, s'il vous plaît. 639 1964. Allô? Allô, Bernard? Qui est-ce? Danny. Danny, mais où es-tu? Bernard, j'ai besoin du numéro de téléphone de Monsieur Calbert à Genève. Et le nom de l'hôtel. Moi, je m'obstine à t'appeler. Sois raisonnable, ne me rends pas les choses plus difficiles qu'elles sont. Mais quand je t'ai téléphoné? Mais la nuit de... Non, la nuit de vendredi. Pour te dire quoi? Je ne sais pas, tu parlais d'Avignon, de ta main, et de quelque chose à propos de quelqu'un dans la voiture. Tu répétais, il est dans la voiture. Mais qui, Danny, qui? Thank you.
garde. Vous vous souvenez de moi? Et comment? Vous voyez ma main? Oui. L'autre jour, au café, quand on a parlé tous les deux, ma main a été bandée ou non? J'en sais rien. Mais ça a beaucoup d'importance pour moi. Essayez de vous souvenir. Je sais pas. Dans l'hôtel où le motard vous a envoyé, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai roulé jusqu'à Marseille où j'ai passé la nuit. Et c'est tout? Oui. Et ça vous a pris tout d'un coup, comme ça, de venir nous trouver pour nous parler de votre main? Moi, j'étais à Paris, je ne suis pas cette femme. Ce n'est pas moi qu'ils ont vu. Le café où vous avez oublié votre manteau, paraît-il. Vous vous rappelez pas le nom? Si, j'ai vu inscrit sur la porte, c'était... Paco... Paco, un nom comme ça. Eh oui, je lui ai dit qu'elle avait laissé son manteau, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Comment? Donne-moi le manteau blanc, vite! On est allé le chercher. Où est-ce que vous l'avez acheté, votre manteau? Boutique Rive Gauche, rue de Seine. Regarde si ça vient de la boutique Rive Gauche. Oui. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a dans mes poches? Attends. Un billet d'avion, oui. Mademoiselle, langue? Langue, d'accord. Oui. Une enveloppe? Oui. Bon, merci. Au revoir. Elle a trouvé plusieurs choses dans les poches. Un billet d'Air France au nom de Mademoiselle Lang, une enveloppe avec de l'argent, une note de garage d'Avignon, établie au nom de Monsieur Maurice Cope. Maurice Cope? Oui. Maurice Cope, domaine Saint-Jean, Villeneuve-les-Avignons. Daté du 10 juillet. Il y a 3 jours. Elle va donner le manteau au premier routier qui descend par ici. Et j'ai dit qu'il me le dépose à Avignon. Avignon? Oui. Hé, hey, Jean! Oui. Mais d'abord, faut qu'on aille charger à Tarascon. C'est à 100 kilomètres, par là. Vous pouvez conduire? Oui, oui. Alors allez jusqu'à Avignon. Et détendez-vous un peu en nous attendant. Et rendez-vous devant la gare à 10h ce soir, entendu? Allez, en route! Allez voir un toubib pour votre main. Et allez voir un film, n'importe lequel. Si ça finit trop tôt, allez en voir un autre. Et n'oubliez pas, gare d'Avignon, 10h. Monsieur Cope, vous dites? Oui. Continuez tout droit, puis à droite jusqu'au bout de la côte. Et là, c'est indiqué, vous verrez, domaine Saint-Jean. Merci. Ah, je vois, il vous a prêté sa voiture. Oui. Vous le connaissez bien? Monsieur Maurice? Au juste, bonjour, bonsoir. Parfois, il va à la chasse avec mon mari. Il est rentré de Paris? Dernière villa en haut de la côte, il n'y a pas à se tromper. Maurice Cope. Il n'est pas là. Il n'y a personne, tout est ouvert. Vous pouvez entrer. Vous connaissez Monsieur Maurice, il pense jamais à fermer ses portes. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est chouette, cette bagnole. Il m'a emmené promener une fois. Faudrait pas que mon père le sache. Vous savez comment il est, Monsieur Maurice, hein? Remarquez, il n'a rien essayé avec moi. À part sa manie de faire des photos. Ça ne m'aurait pas gêné s'il avait essayé. Vous êtes une de ses petites amies, hein? Vous ne serez pas fâchée si je vous fais une confidence? Non, je ne serai pas fâchée. Je vous trouve encore plus belle toute nue. Vous ne pensez pas que c'est chic de ma part de vous dire ça? Vous savez qu'il y en a une nouvelle, cette blonde qui prétend être à la télé? Enfin, j'espère que vous n'êtes pas jalouse.
Avec lui, ce serait difficile. Quand est-il parti? Il était là vendredi, je l'ai entendu tirer à la carabine. Alors, vous y allez? Oui. Je vous ouvre la grille. Mademoiselle, je voudrais avoir l'hôtel Continental à Genève. Non, je n'ai pas le numéro, non. Oui, s'il vous plaît. C'est très urgent. Hôtel Continental, ne quittez pas. Allô? Anita, c'est Dani. Qui? Dani? Voiture l'autre jour. Mais je n'entends rien, Dani. Tu parles trop vite. Et
écoute, voilà, pour ta voiture, Anita, il faut pas m'en vouloir. Ma voiture? Mais quelle voiture? Écoute, je t'en prie, explique-toi, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Et d'abord, comment as-tu su que j'étais à Genève? Mais c'est toi qui me l'as dit, quand je suis venue vendredi dernier chez toi. Enfin, Dani, on s'est pas vu depuis des mois. Mais, Anita, écoute-moi. Vendredi, j'étais chez toi, à la Villa Montfleury. C'est ton mari qui m'a amenée pour taper son rapport, tu te rappelles? Enfin, tu dois quand même savoir que nous habitons rue de Grenelle. Rue de Grenelle? Et toi, où es-tu en ce moment? Je ne sais pas où juste, quelque part près d'Avignon. Je me trouve dans une villa qui appartient à un certain Maurice Cope. Quoi? Cope, tu as dit? Il y a personne avec toi? Non, non. Écoute-moi, Dani, écoute-moi bien. Tu ne peux pas rester seule dans l'état où tu es. Michel est allé voir ses clients. Mais dès qu'il rentrera, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Allô? Sauve-toi de cette maison, Dani. Tu m'entends? Ne reste pas dans cette maison. Anita? Comment tu as su le numéro de téléphone? Dani, je t'en supplie, sauve-toi de cette maison. C'est elle. Oh! Vous voilà? J'avais peur que vous soyez perdu avec toute cette foire. Ça va bien? On a eu le manteau. Il y a vos affaires dans les poches. Faut peut-être mieux vérifier. Venez prendre un café. Alors quoi? Vous aviez oublié que vous l'aviez laissé? Ça arrive quand on est fatigué. La mémoire vous fait des drôles de blagues. Moi, un jour que je remontais sur Paris, on s'arrête pour faire une sieste entre Orange et Montélimar. Eh bien, quand je me suis réveillé, j'aurais juré qu'on avait déjà fait le voyage et qu'on rentrait à Marseille. Ce sont les mêmes. Exactement les mêmes. Oui. Elles sont bien pareilles. Oui. Il faut que j'y aille. Où ça? J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui m'attend sûrement. On vient avec vous? Non, non, non. Hé, j'espère qu'on la reverra. Ben moi aussi, j'espère qu'on se reverra. J'espère. Thank you.
Monsieur Calbert? Madame Calbert à l'appareil. Merci. Oui. C'est un accident. Il m'apprenait à manier la carabine et le coup est parti. Je te jure. C'est une Winchester, Anita. Il y a un levier sous la garde. On doit le manœuvrer entre chaque coup pour armer la culasse. Trois coups, Anita. Tu as tiré trois fois. Il m'a dit qu'il en avait assez de moi, qu'il ne pouvait plus me supporter. Il me narguait, moi. Je tenais la carabine, lui il riait. Qui d'autre est au courant de tout ça? Personne. On prenait beaucoup de précautions. Je ne venais que les jours où les domestiques étaient sortis. Quand tu partais pour tes affaires, j'allais quelquefois le rejoindre dans sa villa près d'Avignon. Quand c'était pas dans l'appartement de Dali. Cela va peut-être vous étonner, Dani, mais j'étais au courant de tout. Même du nombre de fois où elle a utilisé votre appartement pour me tromper. Je savais très bien qu'elle avait des besoins que j'étais incapable de satisfaire. Je n'ignorais rien de son goût pour les jeunes voyous, ni des rapports qu'elle avait avec ses petites ordures. J'étais au courant de tout, mais je laissais faire. Ça me donnait une étrange sensation, un mi-chemin entre le plaisir et la douleur, jusqu'au moment où je n'en pouvais plus. Et j'aurais fait n'importe quoi pour effacer ma honte. C'est ma femme! Tu comprends? Oui, non, non, je savais pas. Je comprends. Tu comprends? Combien de chèques j'ai dû signer pour acheter leur silence? Pour que notre cercle infernal puisse continuer. Combien de fois, et pour la même raison, j'ai eu à supporter l'insolence de ces crapules. Tenez, prenez ça. Pour les dommages à ma bagnole ou les hommages à votre femme? Et laissez-la tranquille. Ne vous inquiétez pas, cher monsieur. Votre femme, il lui en faut un nouveau toutes les semaines. C'est connu. Et vous, Dani, vous étiez un témoin. Un rappel constant de mon humiliation. Et je vous haïssais. C'est la véritable raison qui m'a poussé à rejeter sur vous la responsabilité de ce meurtre. Dani? Oui, je les ai prises avec une caméra miniature. Elle s'en est pas rendue compte. Sans ses lunettes, elle voit absolument rien. Aide-moi, Michel. Aide-moi, je t'en supplie. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il fallait agir vite, très vite. Petit à petit, en fouillant dans les affaires de Maurice Koob, mes idées commençaient à se coordonner. Il devait prendre l'avion pour Marseille ce soir et récupérer sa voiture dans un garage d'Avignon. Il a téléphoné devant moi. Les clés de sa maison de Villeneuve, c'est juste à la sortie d'Avignon. Il partait seul? Oui. Essaye d'avoir Air France, tu veux. Message téléphonique pour Monsieur Maurice Koob, Air France, vol 469. Ne m'abandonne pas. Si tu me quittes, je te suivrai jusqu'à Villeneuve. Voudriez-vous me répéter la suite, madame? Je suis capable de tout dans l'état où je suis. Signé, Dani. Signé, Dani. Pour sauver Anita, il fallait reculer le moment où Koob avait été tué. Pour qu'il soit impossible de déterminer à quelques heures près l'heure de sa mort. Les autres villas sont proches de la sienne à Villeneuve? Non, pas très. Le temps était devenu une obsession. Le temps et la distance. Il fallait que je transfère le meurtre de Paris à Villeneuve, à quelques 700 kilomètres. Koob avait prévu de prendre l'avion ce soir-là. Il le prendrait. Et vous, Dani, vous alliez le suivre. Ah, Dani. Dani, j'ai un problème. Je dois faire un saut demain à Genève avec le projet Milkaby. À partir de là, mon plan était tout tracé.
Vous aviez suivi votre amant à Villeneuve et vous l'aviez tué. Et puis, prise de panique, vous aviez ramené le corps à Paris. Mais finalement, comprenant que vous n'arriveriez pas à cacher votre crime, vous vous étiez suicidé. Michel. Michel, je t'en supplie. Anita, dis-moi ce que tu as à faire. Ramener la petite à la maison, aller au gala et faire en sorte qu'on m'y voie. Prendre un billet d'avion pour Marseille au nom de Danny Lang. Changer de vêtements à l'aéroport. Ensuite, prendre son avion, mais descendre à Lyon où tu m'attendras. Bien, allons-y. Va lui porter. Est-ce que Michel t'a montré... Pendant qu'Anita vous montrait la chambre de Cobe où vous alliez dormir, j'ai pris vos clés, votre permis de conduire et tous vos papiers. Il était plus de 8 heures quand je suis passé chez vous, Quai Voltaire. Au fur et à mesure que j'entassais vos affaires dans sa valise, le lien qui vous rattachait à Maurice Cobe se resserrait. L'avion de Cobe partait à 9h20. Il avait projeté de prendre le vol 469. Il le prendrait. Voilà, monsieur Cobe. Ah, mais au fait, il y a un message pour vous. Merci. En arrivant à Avignon, j'ai bavardé avec le chauffeur. Je me suis arrangé pour lui dire que je m'appelais Maurice Cobe. Je me suis fait conduire au garage Coty. Cobe avait l'intention d'y récupérer sa voiture. Il la récupérerait. Elle est là, la voiture. Voyons un peu. Ça fait 413 francs 50. La facture était de 400 francs et quelques. J'ai donné 500 francs au veilleur de nuit, en lui laissant la monnaie. Voilà. Lui non plus, n'oublierait pas, monsieur Cobe. Ah, vous savez, vous avez qu'à nous donner un coup de fil. Oui. Merci bien, monsieur Cobe. Nous sommes à entière disposition. Merci. Il était 11 heures quand je suis arrivé au domaine Saint-Jean. C'est là que j'avais à exécuter la partie la plus importante de mon plan. Faire la preuve que vous et Cobe y étiez ensemble ce soir-là. Dans la chambre de Cobe, j'ai effacé toutes les traces d'Anita que j'ai pu trouver. Je les ai remplacées par les vôtres. Dans sa chambre noire, j'ai trouvé d'autres photos de vous, Danny. Plus qu'aucune autre chose, ces photos allaient vous perdre. Ironie du sort, Cobe lui-même me les fournissait. Ensuite, j'ai pris la carabine que j'avais apportée de Paris. La carabine dont Anita s'était servie. Elle m'avait dit que les maisons voisines étaient assez proches pour qu'on puisse entendre les coups de feu. Encore une preuve que Cobe était à Villeneuve cette nuit-là. C'était peut-être de la folie, mais il fallait risquer le tout pour le tout. Puis, j'ai échangé les carabines. J'ai laissé l'arme du meurtre au râtelier, et j'en ai pris une autre que je replacerai dans la salle de tir à Paris. Une heure plus tard, j'arrivais à l'aéroport de Lyon. Anita m'attendait sur la route. Je croyais t'avoir dit de m'attendre dans l'aéroport. Je sais, mais j'ai pas le courage. Tu as bien utilisé le billet de Danny ? Oui, mais voilà. Prends son manteau. Arrange-toi pour le laisser dans un restaurant ou un bar sur la route de Paris. Ah, et ça, sa fiche de paye. Mets-la dans la poche. Tiens, son permis. Carnet. Donne-moi ta main. Quand on te présentera la fiche d'hôtel, il faudrait bien que quelqu'un la remplisse pour toi. La publicité, c'est mon métier, Danny. Je connais la valeur d'une image qui frappe. D'un détail dont les gens se souviennent. La dame dans l'auto, avec une main bandée. Un détail frappant, et tout le reste s'estompe. Tu devrais être à Paris vers 7 heures du matin. Ne perds pas de temps. Allez, va. Il me restait 10 minutes pour attraper le dernier avion pour Paris. Maintenant, tout reposait sur Anita.
Vous ne l'avez pas entendu rentrer dans le garage de Kobe. Vous dormiez encore, Danny. Ça s'est bien passé? Où t'es-tu arrêté? Mâcon, Chalon. Tournus, Avallon. Et à l'hôtel? J'ai payé d'avance. J'ai filé un quart d'heure plus tard. Tu as téléphoné à Bernard. Ça a marché? Eh bien? J'ai été arrêté par la police. Un des feux arrière ne marchait pas. J'ai montré le permis avec la photo de Danny. Ils l'ont à peine regardé. Il faudrait que tu dormes un peu. N'oublie pas que tu dois reprendre Michel avant 11 heures. Je remets les papiers dans son sac. Anita avait tenu son rôle aussi bien que possible. La suite dépendait de vous. Quand tu arriveras à Genève, va tout droit à l'hôtel. Je prendrai le prochain avion. Jusqu'au moment où je l'ai quitté, Anita ne semblait pas avoir compris que je devrais vous tuer. Ou si cette pensée l'avait traversée, elle l'avait chassée de son esprit. Il me restait 3 heures pour vous suivre jusqu'à chez Kobe, déguiser votre mort en suicide et retourner à Orly prendre l'avion pour Genève. Mais au lieu de rentrer à Paris, vous avez pris la direction du sud. Je me disais que vous alliez rebrousser chemin, mais non, vous avez continué, Danny. Vous avez continué. À partir de là, plus rien n'avait de sens. Mademoiselle! Mademoiselle! Vous faisiez en sens inverse le trajet d'Anita, comme guidée par les traces qu'elle avait laissées derrière elle. Vous étiez en train de tout détruire. Vous vous êtes arrêté à cette station-service où Anita s'était arrêtée le matin même. Quand je vous ai suivi, pendant que vous vous laviez les mains, j'ai perdu la tête. Je voulais vous tuer, là, tout de suite. Votre cri m'a ramené à la raison. Si je vous tuais là, je détruisais tout mon plan. Vous deviez vous être suicidé chez Kobe. Et votre main? La dame dans l'auto avait un bandage à la main. Vous pas. Après cela, j'étais sûr que vous alliez rentrer à Paris. Ce que j'ignorais encore, et que j'allais apprendre jusqu'à en devenir fou, c'est qu'il n'est pas une seule de vos réactions qui soit prévisible. Quand vous vous êtes arrêté à Chalon, j'ai compris que vous alliez passer la nuit avec ce petit voyou que vous veniez de rencontrer. J'ai décidé de reprendre la route de Paris. Puisque vous n'étiez pas revenu chez Kobe, je devais trouver le moyen de transporter son cadavre dans votre voiture. À un moment où vous aviez l'air très occupé l'un de l'autre, j'ai saisi ma chance. Il ne me restait plus qu'à attendre. Attendre l'instant où vous seriez seul pour m'approcher de vous et vous tuer à bout portant. Tout à coup, je l'ai vu seul dans la voiture. J'ai compris qu'il allait la voler. Mon premier mouvement était de l'arrêter. J'avais 2 solutions. Rester ici à vous attendre ou le suivre. J'ai choisi la mauvaise. Il y a un échangeur sur l'autoroute à l'entrée de Marseille. J'ai perdu sa trace. J'ai tourné et tourné en rond pour le retrouver. Finalement, j'ai pris une chambre dans un hôtel et j'ai appelé Anita. Nous avons encore une petite chance. Maintenant qu'on lui a volé la voiture, il se peut très bien qu'elle nous appelle à Genève. Michel, je t'en supplie, je n'en peux plus. C'est notre seul espoir. Anita, si jamais elle téléphonait, rappelle-moi ici. Marseille, 24, 80, 36. Non, 36. Il n'y avait rien que je puisse faire, sauf espérer vous retrouver par un miracle. Entrez. Voilà, monsieur, les journaux que vous avez demandé ce matin. Bon, merci. Oh, attendez un peu. Merci, monsieur. Il n'y avait rien dans les journaux. Je reprenais espoir. Oui? J'avais eu raison. Vous veniez d'appeler Anita. Il faisait nuit quand je suis arrivé à Villeneuve. Je vous ai vu monter chez Kobe. J'ai pris un raccourci et j'ai atteint la maison avant vous. Vous ne me laissez pas le choix.
dois vous tuer maintenant. Vous voyez, il fallait tirer à bout portant. Il fallait faire croire un suicide. Je viens de poster une lettre destinée à la police. Elle contenait les deux fiches de paye. Celle que vous m'avez remise à Paris, le samedi matin, et celle que vous avez glissée dans la poche de mon manteau. Je ne doute pas que vous aviez prévu quelque chose pour ça après m'avoir tué. De toute façon, tout est dit dans cette lettre. Elle sera ouverte immédiatement au cas où un accident m'arriverait. Où est le wagon restaurant? Oui, c'est par là. Merci. Dany, d'où viens-tu? D'Avignon. Excusez-moi. Permettez? Ah, oh, quelle aventure, ma petite, je te jure. Si je te racontais mon week-end, je t'assure qu'on m'aura plu. On peut toujours m'inviter à passer 4 jours à bord. À bord. Un rafio long comme ça. Et encore, j'exagère. Et pour ce qui est de la croisière, on a tourné en rond dans le port, à la poursuite du yacht de ses prétendus amis, qu'on n'a d'ailleurs jamais trouvé. Et toi, où étais-tu? Enfin, on arrive le soir dans son hôtel avec une merveilleuse vue sur la mer. Oh, merveilleuse vue, oui, si on aime les raffineries de pétrole. Et puis on se met au lit, et je pense qu'à défaut d'yacht, au moins, ou plutôt enfin. Et tu sais quoi? Il se met à éternuer. Une de ses crises. C'est pas ma faute, c'est les plumes de l'oreiller. Je les supporte pas, avec mon rhume des foins. Oh, c'est pas croyable. D'abord les chats, ensuite les plumes. Il appelle ça l'allergie. Allergie pendant 4 jours et 5 nuits. Enfin, voilà ce qu'a été mon week-end. Et le tien? Oh. Ça a été... Un coup de vent du nord et la vie m'envole comme feuille morte. Un feu rouge tourne au vert et la vie m'enflamme, le diable m'emporte. Chacun suit sa route. Sa route ou son chemin. Moi, je ne suis que pierre et je roule. Pour un lever de lune, un coup de soleil, je vois sans lunettes. Pour une ligne jaune, un horizon bleu, je fonce pied en tête. Chacun suit sa route ou son chemin. Moi, je ne suis que pierre et je roule.